Alors, à l'Oasis, en fait, on a une maison d'habitation où on vit tous les quatre. Donc, mon chéri, mes deux enfants, Mélina et Albin et moi. Et on a plein de bâtiments autour. Et en fait, il n'y a personne d'autre qui habite sur le lieu. Ce sont juste, on a des adhérents ou des amis, des connaissances qui viennent régulièrement sur l'Oasis Craventaise. Donc, on essaye de faire aller-retour entre le collectif et le personnel. Donc on a notre zone personnelle et la partie collective qui est à disposition aussi du public et dont le but c'est de trouver la communauté qui peut s'en emparer. C'est vraiment capital pour moi d'échanger avec les autres, hein, parce que c'est pas trouver un îlot de survie pour moi personnellement. Je pense que je serais peut-être plus apaisé mentalement et tranquillisé si... En restant plus dans mon jardin ou en allant vivre encore plus retiré, mais je trouve que ça aidera pas la situation du reste du monde et de l'humanité. Donc autant voir grand et qu'on a envie que ce soit pour tout le monde, que les choses évoluent. Donc ce graphique propose la répartition sur l'empreinte carbone des Français. Donc pour voir les 12 tonnes, comment ils sont répartis? Alors nous, pour le choix de l'éducation en fait, des enfants, on a vu qu'en étant à la campagne, l'accessibilité à l'école, ça nécessitait une logistique de transport. Et au final, on se rendait compte qu'on avait un rythme de vie qui nous permettait d'être auprès d'eux et qu'ils apprenaient très très vite. Et donc on s'est lancé dans l'école à la maison. Même si, moi, à côté de ça, je suis éducatrice dans un établissement spécialisé. Mais voilà, on avait envie d'offrir ça à nos enfants et ça leur a permis aussi d'élargir leur palette d'apprentissage par la musique, la danse. Et je pense qu'ils n'auraient pas suffisamment de temps si on était dans un rythme, en fait, traditionnel. On fait peur à nos familles. Parce qu'on n'est pas dans le moule traditionnel. En fait, ils se rendent compte que nous, on est heureux et puis qu'en fait, on vit quand même bien. Moi, je viens ici pour être en contact avec des personnes qui ont un autre mode de vie et qui permettent de m'ouvrir une nouvelle voie et de pouvoir les adapter et aussi me faire mon propre chemin vers ce genre de prise de conscience et de choix.